Moi, je m'appelle Michael Philippe. Je suis l'un des fondateurs d'une société qui s'appelle lekiosque.fr. Donc lekiosque.fr, c'est un service qui a 4 ans et qui permet de manière très simple de consulter tous vos magazines sur le web et sur iPad. Donc vous pouvez emporter partout les Inrock, Challenge, l'Expansion, Libé, Le Parisien et plus de 400 titres qui sont disponibles sur notre plateforme. D'accord. Donc on va regarder ça, on va faire une petite démo. Voilà. Donc nous, on a essayé vraiment d'analyser les comportements sur iPad. On s'est dit que c'était ni un iPhone, ni un ordinateur, et qu'il fallait exploiter le côté très immersif du produit. Donc on a reproduit le kiosque tel qu'il existe dans la vraie vie. Donc on a travaillé beaucoup sur l'innovation. On a réalisé un kiosque qui est entièrement en 3D. Et l'idée, c'est d'allier à la fois le côté ludique au côté pratique. Donc on essaye de faire le produit le plus simple possible. On clique sur un magazine, donc ici les Inrock, et vous pouvez le lire directement. Il se trouve que là, je l'ai sur ma bibliothèque. Et sinon, vous avez des moyens de paiement comme l'in-app purchase qui vous permettent d'avoir votre magazine en un clic. On a d'autres formules aussi d'abonnement qui sont détaillées sur notre site internet www.lekiosque.fr avec des formules de prix très intéressantes. Ensuite, la lecture se fait comme avec un magazine papier. Donc vous pouvez à la fois tourner les pages, mais aussi si vous êtes un client régulier de notre service, taper pour aller plus vite et gagner en praticité. Tous vos magazines sont stockés dans la bibliothèque. Donc vous avez votre bibliothèque numérique avec tous les magazines qui la composent. Vous pouvez accéder aux archives si vous en avez et télécharger le magazine si vous savez que vous allez très prochainement devoir prendre l'avion ou prendre le métro, ou alors le lire en streaming si vous êtes plutôt dans une optique d'accessibilité et que vous voulez accéder à votre contenu très très vite. Voilà, donc c'est le même mode de fonctionnement. Donc comme j'ai dit, on a près de 400 titres et on est en train de développer toujours plus de contenu pour essayer que toutes les passions soient représentées sur le kiosque. De manière parallèle, on développe aussi nos applications Android et Windows Phone pour être présents sur toutes les tablettes en 2011. Très bien. Tu es le web, tu es là pour te faire connaître. Quel est ton objectif ? Mon objectif, c'est de rencontrer des gens intéressants, c'est de faire parler du kiosque et de l'aventure entrepreneuriale qui est liée à cette entreprise, et surtout d'avoir un feedback sur nos produits qui représentent beaucoup d'investissements chez nous, à la fois en hommes et aussi financiers, et donc de se confronter finalement aux experts et aux personnes qui ont de véritables insights pour nous en termes d'amélioration de produits.